Cela veut dire que tu as d'importants soutiens. Bien sûr que nous sommes sérieux. Et j'ai joué mon jeu également. Mmh. Les autres anciens étaient très contents quand je leur ai dit tout ça. Ah bon? Mmh. Tu l'as fait? Oui. Ah, je ne peux pas y croire. Je vois que vous êtes tellement concentrés sur cette discussion. Je reviens plus tard dans ce cas. Non. Tu peux nous rejoindre. Ok. Viens, viens. C'est ma moitié. Ma femme et moi sommes un. Nous étions en train de parler du projet que nous avons de rendre ton mari le prochain roi de ce royaume. Mm. S'il devient le roi, éventuellement, tu seras notre reine. J'en ai hâte. Mon mari était tellement préoccupé par rapport à cette position. Ah, ça me presse. C'est pour ça que nous avons quitté la ville pour le village. Tu écoutes, je te l'ai dit. J'ai pris que ses rêves deviennent une réalité. Mm-hmm. C'est très bien qu'il se soit présenté pour cette position. Notre peuple est très content. Et il y a tellement beaucoup de gens qui le soutiennent. Alors c'est confirmé. Vraiment? Oui. Donc je deviens la reine? Oh oui. Ah. C'est réglé, tu deviendras reine. Et toi tu seras le roi. Laissez-moi vous servir à manger. D'accord. Bienvenue. Merci. C'est intéressant. Tu vois, non? Comme tu peux le remarquer toi-même, elle est heureuse. Oh oui, tu vois ça, vois. La future reine. Elle est très contente. C'est intéressant. Je bien, cela mérite d'être célébré. D'accord, merci. C'est concernant les marchandises, elles sont arrivées. Charles. Oh. Charles. Oui, papa. Papa. Viens, viens. Tu m'as appelé? Ouais. Je viens de recevoir un appel de la ville. Les marchandises sont arrivées. Donc, tu dois appeler Richard pour s'assurer que tout soit bien arrangé. Okay. D'accord? Okay, je ne veux aucune erreur ou excuse. D'accord. D'accord? Papa, il y a Talia qui appelle. Oh, oh Talia. Allô, Talia, comment vas-tu? Nous allons bien. Ok. Papa va bien. Écoute, tu rates vraiment plein de choses ici. Oui, papa sera bientôt le prochain roi du royaume de Mousilo. Et tu sais ce que ça veut dire. Tu devrais être excité. Papa sera bientôt le roi et maman sera la reine et bien sûr tu seras la princesse. La princesse. Ce n'est pas un fardeau, c'est de la liberté totale. Oui, le bonheur éternel. Parle avec elle. Prends le téléphone. Okay. Je te passe, papa. Essaie de le faire comprendre. Allô, Talia. Comment vas-tu? Ouais. Allez, Talia, quand tu seras de retour, tu comprendras. Mm-hmm. Tu seras princesse, ce qui engage beaucoup de privilèges et beaucoup de responsabilités aussi. Tu seras mieux élucidée à ton retour. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Allez. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'elle dit? Mais je viens de te l'expliquer. Allez. Hmm? Parle à ta fille. Salut, ma chérie. La princesse de ce royaume. Calme-toi. T'inquiète, mon amour. Dès que tu seras à la maison, je vais tout t'expliquer. D'accord? Hmm? Tu auras tous les détails à ton retour. Arrive juste à la maison. Je t'aime, ma fille. Bye. Pourquoi tu lui as même elle dit ça? Elle ne comprend pas encore. On quand doit trouver un moyen retour, comment tout cela. Prends ton lui téléphone. Expliquer pour qu'elle arrive. S'il te plaît, assure-toi que ces marchandises ont été déchargées. Okay, okay, okay. Aucune erreur de la part de Raymond. Il n'y a aucun problème, papa. Je vais faire ça. Ah, ta fille n'est pas facile à gérer. Laisse-la. Hmm? Elle ne change tu pas. Tu sais quoi? Elle ne sait pas qu'elle aura des servantes, hmm? Des gardes. Je prie le bon Dieu. J'ai parlé avec Talia aujourd'hui. Oui. Et je lui ai dit que papa allait bientôt devenir le nouveau roi du royaume d'Oumou. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, mais elle n'avait vraiment pas l'air contente de ça. Pourquoi? Elle a dit que papa était déjà un businessman très réputé et un politicien qu'il n'a pas besoin de devenir roi. Et j'étais là, tu sais ce que ça signifie si papa devenait roi et que maman devenait reine et que tous devenions princes de ce royaume d'Oumou? Tu sais ce que ça veut dire? Le bénéfice de la royauté? Oh.
Nous aurons des servantes à nos ordres, des guerriers, des gardes, partout. Franchement. J'en ai marre de Talia. Écoute, je pense que c'est parce qu'elle est trop loin de nous qu'elle commence à penser différemment de nous. Parce qu'elle est hors du pays, ça fait vraiment longtemps. Mais Dieu merci, elle a presque fini son programme. Elle sera bientôt avec nous là. Ok alors. Elle doit rentrer où? Espérons que si elle revient, elle pourra changer d'avis. Quand elle verra le profit, le bénéfice de devenir une royauté. Je suis sûr qu'elle comprendra ce que ça veut ouais, dire elle va de comprendre. Devenir la princesse du royaume de Mouzien. Ma mère, mère de Kéné. Tout autre nom est un contrefait. Maman, tu sais quoi? J'étais fou de joie quand le chef de la garde du palais annonça mes congés. Je sais que je venais à la maison pour manger une bonne nourriture et me reposer. Fais confiance à ta mère. Tu me connais. J'ai prié attendant un jour comme celui-ci. J'ai toujours souhaité préparer et servir mon fils Kéné. Laisse-moi te nourrir. Dans tous les cas, tu restes toujours mon petit garçon. Maman, je te nourris. Ce serait mieux que tu me donnes plutôt des seins à sucer. Je te les donnerai. Même si tu as grandi, tu restes mon enfant. Pense que je suis toujours ce petit équerre que tu aidais à manger à l'époque. Maman, je suis maintenant un diplômé. Je sais. Un grand diplômé en sciences. Oublie le fait que ce pays m'a réduit à un simple garde du palais. Diplômé que je suis en sciences, travaille dans le palais, en tant que garde du palais. T'inquiète, mon enfant. Ce pays, hein. Je sais que je ne finirai pas là-bas. Très bientôt, je trouverai un bon travail qui quitterait l'endroit là. Amen. Mais maman, au même moment, j'apprécie cet endroit où. Parce que Igo et sa famille sont merveilleux. C'est ce que j'ai aussi appris. Tu sais, Nikki a déjà dirigé cet état avant. A combien plus forte raison cette communauté qui n'est même pas grande. Je vois. Et c'est pourquoi il fait bien. Profite de ton repas, mon chéri. Tu sais, avant que tu ne viennes, j'étais en train de faire la lessive, donc laisse-moi le finir. Je te reviens demain. Quoi? Crevettes. Soupe la main de maman Goudin. Soupe de crevettes. C'est très bon. Crevettes. C'est très délicieux. Une fois que ton téléphone sonne. Toute autre mère est un contrefait. Réponds d'abord à cet appel. Aïe. Ouais. Ouais, je vous écoute. Allô? Non, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui est appelé? C'est le chef de la garde du palais. Le chef de garde du palais? Qu'est-ce qu'il veut? Il a dit que je retourne au palais immédiatement. Hein? Pourquoi ces gens me traitent comme ça? Je suis supposé être en congé et il me demande de revenir. Mon fils, il n'y a pas de problème. C'est toujours ainsi quand on travaille chez quelqu'un. Mais je prie. J'ai prié que Dieu te donne un meilleur job un jour. Un jour, tout ceci changera et tu ne seras plus sous leur contrôle. Maman, c'est de la sorcellerie. Hein? Ne veulent-ils pas que je savoure ta nourriture et me repose? Il n'y a pas de souci. Mange ta nourriture. Tu peux le finir si tu veux. Vas-y, comme ça tu sauras c'est pourquoi moi, je t'aurai appelé. Je dois finir cette nourriture avant de partir. Finis ta nourriture. Profites-en. Je me dépêche pour finir la lessive, hein? Thank you.
Boss, vous m'avez demandé de revenir. Bien, tu étais censé être là depuis hier. Je suis désolé pour ça. Bon, écoute, tu vois, le problème est que... Oh, comment tu vas? J'espère que tout va bien. Bien, Kenny. Monsieur. Bonjour. Je t'ai appelé ici pour une mission très spéciale. Ok, monsieur. Parce que je te connais très bien et je sais exactement ce dont tu es capable. C'est pour cette raison que je t'ai fait venir ici encore. Princesse Tyler sera de retour demain. Ok. Et le roi a besoin de quelqu'un qui a étudié comme toi pour la protéger. Comme elle revient demain, alors c'est pourquoi je t'ai appelé. Afin de te confier cette mission. D'accord, monsieur. Très bien. Alors écoute, hein. Tu n'es ici que pour cette mission, ok? Et tu dois être très prudent dans son accomplissement. Car cette fille n'est jamais rentrée depuis que son père est devenu le roi du royaume d'Umwezil. Parce que il avait besoin de la liberté. Et elle a eu auprès de son père. Juste pour sortir avec tout celui qui viendra. Comme d'habitude. Tu vois ce que je veux dire? Alors ta mission est de s'occuper d'elle. Ne lui permets pas de comprendre ni de savoir que tu es son garde du corps personnel. Ok? D'accord, monsieur. Une chose de plus. Ok, monsieur. Ne gâche pas ce travail. Ne fais pas de bêtises. Sinon, ça aura de très mauvaises conséquences. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, bien sûr. Très bien. Et donc, si tu acceptes le travail, je vais t'emmener auprès du roi et te lui présenter. Es-tu d'accord avec le travail? Ouais. Bien. Alors, suis-moi. Suis-moi. Mais ça aussi, c'est bien. Tu n'as pas aimé? Non, je n'aime pas ça. Je vais te montrer ce que j'aime. Je dois seulement aimer ton choix. Désolée. Oh. Regarde un peu ça. N'est-ce pas que c'est beau? Elle arrive. Regarde comment elle arrive. Le fils, donc, vous commérez à mon nom, hein? Commérez? Ce n'est pas le commérage. Oudjou, j'ai appris que toi et Ogojuku avaient une relation sérieuse. Bon, comme tu es la secrétaire de toutes les filles dans ce village, et lui aussi est secrétaire de tous les garçons, c'est sûr que c'est un très bon match. Oudjou, moi, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu attends encore? Tu aurais dû être chaude, toi et ta famille. Luffy, je peux bien voir que vous n'êtes pas sérieuse. Je vous en prie. Parlons plutôt de choses sérieuses. Dites-moi, quand est-ce qu'aura lieu notre prochaine réunion? La prochaine réunion devait avoir lieu les jours du marché de Oria. Mais vous savez qu'on ne saura tenir notre réunion à l'absence du princesse. C'est impossible. C'est vrai. Et c'est comment à propos de sa sœur Zina? Elle est la nièce du roi. Elle est aussi membre du groupe. Elle peut bien nous représenter. C'est vrai, je n'ai jamais pensé à ça. C'est une bonne idée. Mais il y a un problème. Cette rencontre annuelle nécessite la présence de notre princesse. Vous savez, c'est à elle de récupérer la liste chez le prêtre. Et pour qu'elle fournisse tout ce qui est demandé pour le sacrifice. Sans elle, on ne saura arriver à le faire. Oui. C'est exactement ce que la princesse Chibuzo avait fait il y a 5 ans.
durant les rencontres annuelles. Oui. Qu'allons-nous donc faire? Comme la présence n'est pas présente, je pense qu'elle peut bien le faire. C'est vrai. Tu as raison. Laisse-moi aller prendre le chaise. Vous devez vous asseoir pour en parler. C'est très sérieux. Allez lentement, madame. J'arrive un instant. Je suis tellement fatiguée. Hé, toi. Ok, Okene, comme tu es maintenant engagé, il y a quelque chose que je dois te dire. Ma fille Talia n'est pas une personne facile à vivre. Mais cela n'est pas un problème. Si tu as de la patience, alors tu dois apprécier son excentricité. Quoi que tu fasses, n'enlève pas tes yeux sur elle. Oui, votre majesté. Bien, encore une chose. Zina présente ici à sa cousine et elle t'aidera à être proche d'elle. Pour que tu fasses un bon travail. Oui. Et de là, tu dois comprendre que quoi que tu fasses, assure-toi que tout le personnel de ce palais garde la bouche fermée. D'accord, votre majesté. D'accord. Allons, Zina. Oui. C'est bon. Accompagne-le. Merci, vite. Votre majesté. De rien. Okay. Waouh, je veux dire, c'est si agréable de revenir au pays après un long moment. Merci. Alors, qui est-il? Tu ne m'as rien dit. Oui. Je m'appelle Kene Chukwu. Ouais, mais Kene en abréviation. Oh, je vois. Un ami de la famille. Il est beau. Oui, c'est vrai, il est beau. J'ai entendu ce que tu as dit. Ok, tu peux commencer à venir à la maison de temps en temps, comme ça on va s'habituer, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est un ami de la famille, donc il sera toujours là avec nous. Waouh, j'ai aimé. Alors comment va papa, comment va maman? Je suis impatiente de les voir. Ils vont bien, ils vont d'ailleurs très bien, ils sont très impatients de te voir. Oh, la ville a vraiment changé. Oui. Oh, j'ai vraiment l'impression que la ville a totalement changé, je te jure. Ça fait très longtemps. Que chacun se lève son verre afin qu'on fasse un toast pour accueillir notre chère fille. De 1 à 2. Et pipi? Oui. Et pipi? Oui. Buvons pour sa prospérité, pour son succès et pour tout ce qu'elle a réalisé. Et laissez-moi bien la contempler. C'est quoi? Talia, je ne t'ai pas vue, ça fait longtemps. Et tu as l'air vraiment en forme. Ok. Tu as vraiment grandi, ma chère. Que s'est-il passé? Papa, c'est bien moi, regarde. Regarde mensonge. Bien. Papa, ok, bien, j'accepte. Bon, peut-être que ma façon n'est pas du tout bonne, alors. Je dois alors être calme. Oh, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime que tu sois comme ça. Oh, ça, c'est ma mère. Tu sais, ce que j'aime de toi, c'est que tu as un coup d'œil extraordinaire. Mm. Merci pour les compliments, maman. D'ailleurs, maman, bon, je veux dire. Papa, qu'est-ce que tu lui as donné? Elle est tellement totale. Elle dépense mon argent. Maman! Si je sais cette mine, c'est parce que ton père fait de son mieux pour maintenir cette beauté, n'est-ce pas? Papa, tu fais du bon boulot, ça va? Oh, je me suis rappelée. Je veux dire, regardez mes frères. Ah, Charles et Henri. Je suis en train d'imaginer comment est-ce que mon père a travaillé corps et âme pour que mes frères soient en bonne santé. Comment est-ce que tu leur donnais à manger tout le jour, puis ça comme ça? Tu donnais quoi à Charles? Oh mon Dieu! Tu parles de Charles et lui?
bien sûr, maman. Rectification, je suis le prince Charles. Et toi également, tu es la princesse. Maman, attends d'abord. Et pour toi, Charles, ne laisse pas que cet orgueil royal te captive ainsi. Tu es juste Charles, c'est fini. Et maman, je ne suis que Talia. C'est fini. D'ailleurs, je pense que vous ne vous abusez pas avec toutes ces filles qu'on appelle soi-disant femmes. Alors, je ne voudrais pas que maman soit dans vos... Elle a raison. Vous voyez, je vous ai eu. Nous sommes des hommes maintenant et prêts à avoir des femmes en tant que prince du royaume de Moisienne. Ça, c'est mon fils. Écoutez comment il parle. Ouais. Maman, je dois le confesser, tout le monde ici est très merveilleux. Ah, après avoir vécu 5 ans loin de vous. Ok, ah. Je pense qu'on a beaucoup bavardé. Il est temps de boire. C'est aussi un grand plaisir de se retrouver encore en famille. Oh, désolé, où est Zina? Bien sûr, dans sa chambre. Mon sac, désolé, j'ai oublié de prendre quelque chose à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. Dois-je rester ici, hein? Il doit être quelque part. Ok, maintenant, buvons. Vivons. À l'occasion de notre retrouvaille. Je suis très contente de te revoir, ma petite Thierry. Tu m'avais beaucoup manqué, maman. T'inquiète, t'en auras. Ah, tu vois ce que tu fais, hein. Ekene, le roi a besoin de toi. Pourquoi? Rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Je crois qu'il est fatigué. Ok. Il veut que tu puisses assister à la fête. Ah, d'accord. Peu importe. Ekene, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Tu sais que je t'ai toujours aimé. Oui, je t'ai toujours aimé et... C'est à cause de toi que je fréquente ces palais. Tu sais, ma dernière relation amoureuse a fait en sorte que je puisse voir tous les hommes comme des opportunistes. Mais ton cas est différent. Oui, j'étais toujours désirée et j'aimerais que nous puissions... Écoute, nous sommes supposés être des associés. Nous venons juste de commencer ce travail et tu veux me causer des ennuis? Troubles? Ouais. Non, Ekene. Je sais de te sauver du danger. Tu sais ce qui t'arrivera si tu sors avec la princesse. Ça va. Lors de la dernière réunion, nous avions tous parlé de ce que nous allons commencer à faire. À partir d'aujourd'hui, c'était un peu ça. Quelqu'un a-t-il ajouté? Je ne crois pas que tu as oublié quelque chose. Je suis très surprise de l'absence des Zina. Est-ce qu'elle n'était pas informée qu'on aura un réunion aujourd'hui? C'est exactement ce que je voulais dire. Zina est la vice-présidente et elle était censée être ici. Je suis surprise que Zina ne soit pas encore là. J'étais chez elle hier et je lui ai rappelé à propos de la réunion. Bien, toutefois, on peut toujours commencer. Je crois qu'elle est en train de venir. Peut-être qu'elle était partie au palais, comme d'habitude. Commençons. D'accord. Mes coéquipières, la raison de notre réunion est de discuter à propos du prochain festival des Omobili. La princesse est déjà là. Elle devait déjà rentrer avant le festival. Je m'ai posé la même question. Est-ce que la princesse sera là? Le festival d'Oumoumeri n'est pas qu'une simple cérémonie. Plusieurs choses sont impliquées. Quand un royaume a une princesse, sa présence à cette cérémonie est très importante. Bien sûr, nous avons une princesse. Je nous propose d'aller voir la reine et savoir ce qu'elle dira. Oh, je vous salue, les filles. Salut. Je suis désolée d'être arrivée en retard. C'est juste que j'étais en train d'aider ma cousine, la princesse. Elle est de retour. Ah. Oh, c'est une bonne nouvelle. C'est le dire que la princesse est de retour. Oui, elle est revenue. Tu sais quoi, nous te pardonnons parce que tu es venue en retard.
juste à cause de cette bonne nouvelle que tu as apportée. Wow! Je suis sauvée. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire? On peut continuer avec la réunion. Ok, donc... Alors, est-ce que je peux t'aider? Papa. Talia. J'ai un regret. Assieds-toi. Que puis-je faire pour ma jolie princesse? Papa, s'il te plaît. Je dois rentrer dans l'ancienne maison. Je ne pense pas que je t'ai bien entendu. Papa, tu m'as entendu? Cet endroit n'est pas du tout bon pour moi. Tu veux retourner dans l'ancienne maison? Pourquoi? C'est quoi? Papa, parce que j'ai besoin de l'espace. Je vais être seule, c'est ça. Papa, depuis que j'étais enfant, les gens sont toujours derrière moi pour me surveiller. Alors je ne veux plus de ça, s'il te plaît. J'ai besoin d'être seule, j'ai déjà grandi, je suis plus un enfant. J'ai besoin de l'espace. Il n'y a pas assez d'espace dans cette maison, je veux dire, dans cette cour. Pourquoi ne voudrais-tu pas rester ici? Parce que je ne suis pas libre ici, c'est ça. S'il te plaît. Et pour toi, tu n'as rien à faire avec ton temps? Au lieu de me suivre comme... Talia, tu dois comprendre que... Peux-tu fermer ta bouche? La ferme! Tu dois comprendre... J'ai dit la ferme! Désolé, mon roi. Papa, tu dois faire quelque chose pour des gens comme celui-ci. Je veux être libre. La prochaine fois, quand elle s'enflamme, tais-toi. Entendu, mon roi. Tu peux partir. Je veux passer un appel. Ouais. Allô? Comme je l'ai déjà dit, l'apparence n'est pas une réalité. Tu sais que certains gens ne sont pas vrais. Ils inventent. Je ne veux pas que tu enlèves tes yeux sur ma fille. Elle est mon trésor. Elle est ma première semence et elle est princesse de ce royaume. S'il te plaît, si cela me vaut un transfert d'un million sur ton compte, je le ferai. Au cas où tu as besoin de l'argent pour quelques besoins. D'accord? Mais s'il te plaît, ne laisse personne savoir que nous sommes en contact. D'accord? Oh mon Dieu. Tu sais quoi? Qu'y a-t-il? Je pense que je dois déjà partir. Mes yeux sont déjà fatigués, alors j'ai besoin du repos. Alors, je vous verrai le gars demain. Beau rêve. Oh. Merci. Ne tombe pas. Veux-tu que je t'aide t'amener de ta chambre? Je suis de la famille royale. Ah! Je te rejoins d'ici là. D'accord. Bonne nuit. Ekene? Est-ce que je peux te demander quelque chose? Ouais. Ekene? Ouais? As-tu une petite amie? Non, j'ai pas de petite amie. Je veux dire, tu n'as pas une fille avec qui tous les deux vous planifiez de choses? Du genre, un jour vous puissiez vous marier? Écoute, ce travail du palais est très fastidieux. J'ai à peine le temps pour moi-même. D'ailleurs, n'oublie pas que je suis toujours ce pauvre garçon villageois. Donc, je n'ai pas de petite amie malgré mon éducation. Je suis toujours ce pauvre garçon villageois. Ah, ça suffit avec ça. Et maintenant, il y a une femme.
qui est prête à aimer et à prendre soin de ses pauvres villageois. Alors j'espère que je ne serai pas déçue. Maintenant, écoute-moi. D'accord. Nous sommes ici pour une mission spéciale. Alors focalisons-nous. Ekene, je ne suis pas venue pour le business. J'ai décidé de me joindre quand j'avais vu que c'était toi qui devais venir. Et je voulais utiliser cette opportunité pour t'éprouver ce que je ressens pour toi. Parce que tu ne t'es jamais soucié de savoir pourquoi je viens souvent au palais. Alors, s'il te plaît, je t'aime. Je suis là pour toi. Zina. Ekene. Mission spéciale. Focalisons-nous. Ekene. Je t'aime. Et je suis là pour toi. Alors, s'il te plaît, ne me rejette pas. Ekene, s'il te plaît, ne t'en va pas. Je t'aime. Maman, je t'ai déjà dit, je refuse de retourner là-bas. Bien, je passerai de temps en temps, ok? Alors, j'avais promis de commencer à venir vous rendre visite. Bon, si tu veux, alors, tu n'as qu'à payer tes affaires et venir ici. Mais s'il te plaît, sans servante et garde, je vais être seule. Merci. Je t'ai entendu, maman, je peux te rappeler après? Merci, maman. Ouais, ma princesse, tu t'es déjà réveillée. Bonjour. Ouais, bonjour. Comment était ta nuit? Ouais, bien passé. Je peux bien voir que tu as bonne mine. Ah, ouais, tu sais que je suis un Africain, alors je dois être fort. Oui, je vois que tu es un gars fort parce que tu avais aussi ramené Zina chez elle hier. J'avais vu comment tu l'avais portée. Ah, ma princesse, non. Ah, j'étais dans ma chambre hier me reposant quand j'ai entendu qu'elle vomissait, alors j'étais allé la secourir. Je l'ai emmenée dans sa chambre, c'était tout, rien de plus. C'est vrai? Ah, tu sais qu'elle a tellement bu hier nuit. Ah, t'as raison, j'étais partie la voir mais j'avais compris qu'elle avait beaucoup. Exactement, bu hier. Exactement. Au fait, j'allais te demander. Ok. C'est par rapport à ta connexion avec nous. As-tu une relation avec Zina? Ah, non. Rien, ma princesse, rien. Désolée, Talia. Oh, désolée, Talia. Merci. Talia, allons. Je ne suis qu'un pauvre diplômé, rien, un pauvre garçon. Hein? Oh, je ne peux même pas me permettre une relation. Parce que j'ai appris que, de nos jours, une bonne relation implique des responsabilités financières. Alors, qui suis-je? Un okay, pauvre garçon. Bonjour, Talia. Bonjour, Ekene. Ah ouais, bonjour. Qui est là? Comment s'est passée ta nuit? C'était une courte nuit. Courte nuit? Oui. Je vois. Oh, désolé, s'il vous plaît. J'ai oublié quelque chose là-bas. Attendez-moi, j'arrive. Ok. Minute, je vous en prie. Ekene, est-ce qu'elle essaie de te faire la cour? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, j'ai pleinement le droit de savoir ce que mon amoureux fait en privé avec une autre femme. Ton amant. Oui. Va te faire foutre. Va à l'intérieur. C'est quoi ça? Oh. Ekene. Qu'y a-t-il? Ok. Qui est ton amant? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille au juste?
Attendez, oh. Ça peut être vrai? Ah, je n'ai jamais vu ça, oh. Une femme qui fait de l'avance à un homme. Ça me choque, oh. Mais réfléchissons un peu. Quelle belle opportunité. Une princesse qui fait de l'avance. Ah, ouais, c'est vrai, c'est une bonne opportunité, mais je ne veux pas perdre mon argent parce que c'est trop risqué. J'ai déjà dépensé l'argent même. Alors, je dois faire semblant comme si rien ne se passait. On verra ce que ça va donner. Où est-ce que je proviens? J'ai entendu quelqu'un toquer. Ouais, c'est certains gars. Ils sont trompés de maison. Ils demandaient le numéro 29. Je leur ai dit qu'ils s'étaient trompés et alors ils sont partis. Es-tu sérieux? Ouais. Avec ce dérangement? Comme ça, oh. Bien, je... Es-tu libre? Ah, ouais, toujours disponible à tout moment. Bon, je veux que tu m'accompagnes quelque part. Tu sais que je dois faire les achats. D'accord, d'accord, pas de problème. Alors, si tu je peux... le ferai. Merci. Alors, dis-moi, vous êtes connu il y a combien de temps? Est-ce que tu peux me dire quoi? Qui? Ekene? De qui est-ce que je peux encore parler? Bien sûr que c'est Ekene. Eh ben, il n'y a pas très longtemps, mais c'est quand même un bon gars. Excuse-moi? Oui? Tu veux dire quoi par un bon gars? Ça fait juste quelques mois quoi? Que... Tu emmènes quelqu'un chez moi que tu ne connais même pas bien et tu me permets de faire certaines choses avec lui? Taïla, quelque chose ne va pas avec ça. Oh, arrête! Et parle-moi de cette bêtise, c'est quoi ça? Ne me raconte pas du n'importe quoi. Tu m'emmènes un étranger chez moi et je ne veux pas que je me fâche à cause de ça. S'il te plaît, ça ne peut pas. Oh, s'il te plaît, la ferme! Et parle-moi de ça. Laisse-moi tranquille. Il n'est quand même pas un étranger que je viens de croiser. C'est un type bien. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu te mets dans cet état. Après tout, tu vas l'avoir. Tu as besoin de lui? Bien sûr, c'est mon homme. Et je suis là pour lui. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu as rencontré Zina et comment est-ce que vous vous êtes connus? Et encore, quelle relation avez-vous? Oh, ouais, Zina, elle est mon amie d'enfance. Ouais, on a grandi ensemble, mais à un moment donné, on avait perdu la communication. Oh. Ouais, et tout récemment, on s'est encore rencontrés. C'était même très difficile pour nous de nous reconnaître l'un l'autre. Mais nous sommes bien, on est encore ensemble. Ouais. Je vois. Ouais. Bien, il n'y a pas de problème, je suis dans la maison. D'accord. Alors je peux dire que vous devez vous apprêter pour quitter ici. Tu m'as entendu? Excuse-moi. Partir? Ikena, t'inquiète surtout pas, je vais m'occuper de ça. Ok? Ikena, écoute, je t'en prie. Calme-toi. S'il te plaît, je devais lui en parler et... Parle! Qu'est-ce que tu lui as dit? Ekene, j'ai devais lui dire pour qu'il nous laisse tranquille. Hein? Nous laisser tranquille? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui laisse qui tranquille? J'ai pas compris. Ekene, s'il te plaît, nous laisser tranquille comment? Hein?
Je me demande pourquoi jusqu'ici la princesse n'assiste pas à nos réunions. Nous n'avons plus beaucoup de temps pour préparer ces festivals. D'après ce que je vois, la princesse ne connaît pas l'importance de ces festivals. Ses parents devaient les lui dire. Même sa cousine Zina, elle aussi fait la même chose. Je pense que nous devons visiter le palais, comme nous ne l'avons pas encore vu. Tu as raison. Fixons une date immédiatement. Demain, il restera 4 jours avant le jour du marché et les lendemains, 3 jours. Peut-être qu'il serait mieux qu'on le fasse les jours du marché. Pourquoi attendre jusqu'au jour du marché? Elle peut nous surprendre. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, bien, ça ne dépend que de vous. Ah, alors, jolie Talia, comment vas-tu? C'est Talia. Comment vas-tu, Talia? Oui, je... Quoi? Quelle est cette absurdité dont tu parles? Papa, s'il te plaît, je ne suis pas disponible. Je peux venir même demain, s'il te plaît. Hé, écoute, Talia, si ta voiture est en panne, dis-le-moi, je vais t'envoyer un chauffeur. D'accord? Papa, s'il te plaît, j'ai besoin du repos, je t'en prie. Hé, arrête ça. Quel est ton problème? Ne me pousse pas à bout. Tu es censé être de retour, et c'est tout. C'est quoi tout cela? Écoute, Talia, je ne veux pas te l'accepter. Tu devrais rentrer, c'est tout. Elle m'a raccroché au nez. Peux-tu imaginer? Imagine ce que Talia a fait, me raccrocher au nez. Je ne suis pas seulement son père. Je suis aussi un roi, un homme respecté. Papa, j'espère seulement qu'elle n'a pas d'ennui. Je m'en fiche. Quel genre d'ennui elle pourrait avoir? Elle a dit qu'elle pourrait prendre soin d'elle-même. Papa, je pense que maman et toi vous inquiétez trop à propos de Talia. Depuis qu'elle est revenue dans ce palais, nous n'avons plus du tout la paix. Elle est juste une simple femme qui ne sera jamais convaincue de ton trône, bien qu'elle reçoive de vous toutes ses attentions. Non, mon fils, je sais ce que tu ressens, mais tu ne peux pas comprendre tout ceci. Papa, je veux que tu me fasses comprendre. Quel que soit ce que Talia fait dans ce palais, elle reste toujours ta favorite. Je viens de te dire que tu ne comprendras pas. C'est plus que ce qui est visible à l'œil. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir, mon ami. Mon roi, où est notre princesse? Je me souviens avoir fait 2 tours ici, mais je ne l'ai pas vue. Même si elle vit dans la maison familiale, elle devrait au moins venir ici parfois. Bien, ça c'est vrai. Mais tu connais les enfants de nos jours, elles ont leur manière de penser. C'est qu'elle a un projet d'affaires qu'elle a reçu et sur lequel elle travaille depuis un moment. Donc, elle a besoin d'être un peu seule pour le finaliser. Néanmoins, je te promets que la prochaine fois que tu seras là, tu la verras. Ça, c'est bien votre majesté et très important. Ma fille et les autres jeunes filles attendent à voir leur princesse. Ah. Les demoiselles de Umezelo étaient venues hier chez moi pour me parler de l'absence de la princesse. Oh, vraiment? C'est vraiment le moment dont on a plus besoin d'elle. Exactement. C'est le moment où elles doivent se connaître. Je veux dire, afin qu'elle se consulte pour la réussite du festival de Mumeri. Ne vous inquiétez pas, la reine travaille déjà dur pour cela. Et je suis certain qu'elle va bientôt rentrer. Dès qu'elle rentre, elle va rejoindre les jeunes filles. Ce que je veux vous implorer, s'il vous plaît, dites aux autres jeunes filles qu'elle sera bientôt de retour et qu'elle va les rejoindre. Ouais, c'est ça. Merci pour votre compréhension. Longue vie, votre majesté. Ici. Mon fils m'a dit comment le chef de la garde a mobilisé les jeunes, travaillant ardemment pour la sécurité de notre communauté. Ah, ouais. Votre majesté, vous avez apporté le développement dans notre communauté et même dans les villages voisins.
Votre Majesté, nous n'avons pas fait un mauvais choix. Longue vie à vous. Ici. Et que votre fils hérite vos pensées. Ici. Merci pour votre compréhension. Merci, Votre Majesté. Bien, alors, c'est ça. Exact. Il faut que je vous libère. Écoute, je suis vraiment désolée. Je n'avais pas l'intention de te blesser. Tu ne comprends pas cela? Juste. Écoutez-moi. Je vous demande d'entrer, emballer vos affaires et partir. Ma princesse, avant de nous faire quelque chose de mal, nous ne sommes pas mauvais. Je n'ai pas dit ça. Je veux juste dire que votre temps a pris fin. Alors, s'il vous plaît, j'attends de la visite. Je ne veux pas que mes visiteurs vous trouvent ici. Alors, s'il vous plaît, entrez, emballez vos affaires et partez, en paix même. Merci. De rien. Ekene. Ekene, essaye de comprendre. Si je le fais, c'est à cause de ce que je ressens pour toi. Oublie à propos d'elle. Elle est ma sœur, je peux tout arranger avec elle, ok? Juste. Ekene. Ekene, s'il te plaît. C'est bien de t'avoir ici, tu sais. Hein? Hey, hey, va t'asseoir, va t'asseoir. Pourquoi? Assieds-toi, non, assieds-toi. Ok. Écoute, as-tu oublié que la princesse est là? Allez. Et si elle nous va comme ça, c'est un problème. Il n'y aura aucun problème. Bien sûr, je lui ai déjà dit qu'on était amis. Écoute, ça importe. Surtout même pas maintenant qu'elle ne nous veut plus dans cette maison. Écoute-moi, n'oublie pas que cette princesse est observatrice. Ah. Écoute, elle est très violente. Hein? Si elle nous voit dans une condition pareille, elle fera quelque chose de stupide. Ne t'a-t-elle pas dit qu'elle allait nous surprise partie? Elle ne m'a rien dit de pareil. Je veux dire, attends. Est-ce que cela veut dire que la princesse planifie de se rendre à une fête avec toi et Mélissé? Ekene, tu vois de quoi je parlais? Elle t'aime. Bien sûr, je sais quand une femme a des sentiments pour un homme. Ekene, arrête de faire semblant que tu n'as pas remarqué cela. Elle t'aime. Écoute. Elle ne fait que s'amuser avec moi. Ce qui est tu même mieux pour rien. Moi, ça rend mon travail très facile. Le fait qu'elle soit à l'aise en me voyant autour d'elle m'aiderait à la protéger très bien. Regarde, écoute-moi, tu es en train d'oublier quelque chose. Cette princesse a un petit ami. Elle est dans une relation très sérieuse avec Basile. Oui, je suis ravie du fait que tu te rappelles qu'elle a un petit ami, Basile. Et Basile provient d'une famille très riche. Il est le fils unique de son père. Tu sais quoi? Le père de Basile est la personne qui est derrière le succès politique de Igwe. Donc, le roi ne peut rien faire sans le père de Basile. Tu peux donc voir comment ces deux familles sont proches. Basile et Taïla sont très proches. Ils sont soudés. Et Kenneth, je sais que tu ne ressens rien pour elle. Parce que cela risque de causer du tort. Oui. Maintenant, écoute-moi bien. Je suis en mission spéciale. Je Donc, sais. Avoir les sentiments pour la princesse ne fait pas partie de la description de mon travail. Exact. Donc, sois à l'aise. Je sais ce que je fais. Laisse-moi faire mon travail. Je sais que tu fais ton travail. Mais n'oublie pas que je t'aime. Arrête de me blesser. Merci. J'ai accepté cette mission seulement à cause de toi. S'il te plaît, arrête de me blesser. Ok. J'accepte de rester avec Taïla tout le jour. Et supporter ses sautes d'humeur juste à cause de toi. Alors, s'il te plaît, arrête de me repousser. Oui. Peut-on continuer notre jeu?
Je t'aime et je suis là pour toi. Regarde-moi comme une femme. Oui. Allez. Jouons et laisse-moi te gagner. Mais n'apprends. Vas-y, joue d'abord. Pouvons-nous parler de quelque chose? Je veux dire, pouvons-nous parler de nous? Oui. Jeune homme, aucune nouvelle? T'as pu rejoindre Okene? Oui, mon roi. Ils sont allés à une fête. Une fête de Basile. Quoi? Surprise partie de Basile. Pourquoi c'est difficile à Talia de reconnaître son rang de princesse de ce royaume? Hein? Ok. Ta fille me rend nerveux. Honnêtement. Dis-moi, quand elle a dit qu'elle reviendrait? Je suis désolé, mon roi. Je vais le découvrir immédiatement. Fais ça vite. D'accord, mon roi. Va faire ça vite. C'est compris, mon roi. Pour l'amour du ciel, elle doit reconnaître son rang de princesse. Sa Majesté, je crois que je dois tenir une réunion avec toutes les jeunes filles. Puisqu'elles doivent s'apprêter pour le festival. Puisque le villageois devient inquiète. Il y a une rumeur qui se répand dans le village disant que la princesse n'est pas disponible pour ce festival. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser. Fais ce que tu veux faire. Mais, si Talia ne revient pas ici durant les 4 prochains jours du marché, je lui ferai savoir que je ne suis pas seulement son père, mais aussi le roi de ce royaume, qu'elle n'a aucun droit de me désobéir. Sa Majesté, elle finira par revenir. Mais nous devons aussi prier pour elle. Nous devons prier pour sa sécurité, ne sachant pas où elle est. Tu dois aussi dire à tes gars de veiller sur elle. Mais elle m'a dit qu'elle pourrait prendre soin d'elle-même. Mais tu vois, c'est évident qu'elle ne peut pas. En tout cas, je vais envoyer mes éléments pour la surveiller. La surveiller dans tous ses mouvements. Sa Majesté, y a-t-il un problème? Tu as l'air inquiet. Et où sont les enfants, Sa Majesté? Prince Charles! Charles! Maman, tu m'as appelé? Maman, tu as l'air inquiète, pourquoi? Quelqu'un peut-il me dire ce qui s'est passé ici quand j'étais absente? Rien du tout, maman. Mais j'ai vu le grand prêtre sortir de la parcelle il y a quelques minutes. Et où est mon téléphone? Vous avez des nouvelles de votre sœur? Je crois qu'elle va bien. Voilà l'absurdité dont je parle sans cesse. Tout ce qui t'importe, c'est ta fille. Ta fille, ta fille. Est-ce que tu es au courant des conséquences de ce que tu es en train de faire? Et ce que cela va coûter à ce royaume et à ce palais? Sa Majesté. Comment tu peux dire de telles choses? Tu sais comment je fournis des efforts pour que tout se passe bien. Jusqu'à ce qu'elle revienne. Je fais okay. De mieux. Juste continue d'essayer. Continue d'essayer. Mais laisse-moi te dire, le temps n'attend personne. Appelle ta fille, fais-la s'asseoir et fais-lui entendre raison avant qu'il ne soit trop tard. Et pas de continuer à essayer. Talia m'a appelé. Oh! Elle disait qu'elle allait à une fête avec Kenny. Mais elle a promis de revenir demain. Tu as entendu ça? Est-ce que tu l'as entendu? Dis-moi si le rôle d'une princesse est d'aller prendre part à des surprises parties. Ce qu'elle est censée faire est d'essayer de se familiariser avec les activités du festival de Montmiri. Et elle est censée être avec les jeunes filles. C'est ce qu'elle est censée Sa faire. Sa Majesté, un peu de calme. Non. T'inquiète. La princesse ne va pas nous décevoir. Ok, j'étais avec les jeunes filles, elle était toute contente de me voir. Et je leur ai dit que... Tu me déçois tellement. Tu es la princesse? Pourquoi tu vas aller voir les jeunes filles? Et elles sont heureuses avec toi. Probablement tu leur as donné des cadeaux. C'est pour qu'elles sont heureuses. Tu n'es pas la princesse. Va chercher ta fille, fais-la s'asseoir et dis-lui ce qu'elle doit faire. Pas des surprises parties. Ok. Mais je peux te rassurer que tout ira bien. Laisse-moi gérer. Ça ira. Tu ferais mieux de le faire. Laissez-moi passer. Sa Majesté.
Excusez-moi aussi. Sa Majesté. Passe encore, hein? Pourquoi c'est pas connecté? Ah. Ça sonne. Décroche. Décroche. Qui ne répond pas à mes appels. Qui sait ce qu'ils font? Qui sait? Ekene, je ne laisserai pas cela arriver. Si ce n'est pas moi, ça ne sera aucune autre femme. Je l'avais croisé en premier. Pourquoi Talia ne peut pas se focaliser à Basile et laisser mon Ekene tranquille? Ekene, je ne te laisserai pour aucune autre femme. Je dois t'avoir et je t'aurai pour moi seule. Il ne répond pas à mes appels. C'est très évident qu'ils sont en train de faire quelque chose, oui. Ils font quelque chose. C'est bien. Ah. Oh. Mmh. Oh. Donc, sais-tu que tu es amusant? Mais s'il te plaît, j'ai très faim. Je dois te trouver quelque chose à manger alors. Mais ma princesse, quel est le plan? La surprise partie. Tu veux savoir? Ouais. Je veux juste être toute seule pour avoir un repos, c'est tout. Mais je ne suis pas fatiguée. Je souhaiterais aller avec toi si tu me permettais. Est-ce que la surprise partie se tiendra dans sa maison ou bien dans une chambre d'hôtel? À l'hôtel, bien sûr. Oh, je vois. Comme je l'avais dit. Serait-ce mauvais si j'allais avec toi? Tu sais que j'aime être avec toi. Mais j'ai déjà dit que j'irai seule. Tu sais, j'aimerais répéter encore cette question parce que j'ai mes propres raisons. Es-tu sûr que je n'ai aucune relation avec Zina? Parce que lorsque je vous vois, vous deux, je me dis qu'il y a plus que l'amitié. Ma princesse, non. Non, nous sommes juste amis. Rien de plus. Je l'ai même dit à sa présence. Je vois. Ma princesse, tu es si élégante, si belle dans ce vêtement. Merci. De rien. C'est comme si j'ai oublié quelque chose. Et de quoi s'agit-il? Oh. Je vais t'attendre. Ok. C'est à toi que je parle. C'est comme ça que tu dois réagir. Mais ma... Okay, mais réponds-moi, c'est comme ça que tu réagis? Non, 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 ma princesse, non, non, non. Basile était trop grossier. Et d'ailleurs, tu me protégeais, moi. Peu importe, je m'en fous. Ils n'ont pas le droit de me parler de la sorte. Bien sûr que je ne devais pas les gifler, mais c'est lui-même qui a causé cela. Tu sais, je ne sais même pas comment dormir aujourd'hui. J'ai besoin d'une boisson fraîche pour calmer ma tête. Ça me nerve. Oh. Oh. Yeah. Emmène-moi.
Donne-moi un verre de boisson. Je vais l'apporter, ma princesse. Je pense que tu dois aller le voir demain afin que vous puissiez régler les choses. Parce que maintenant, tu es trop agitée. Tu n'es pas à l'aise. Excuse-moi. Je ne vais pas le voir demain. Je n'ai plus besoin de le revoir encore. Ça veut dire qu'il doit rester loin de moi. S'il te plaît, avant que je n'oublie, je vais passer une nuit ici. Je crois que ça ne va pas te déranger. Sens-toi libre avec moi. S'il te plaît, un verre de boisson. Un verre de boisson. D'accord, je vais aller uriner, puis je la porte. Qu'est-ce que tu caches là? Oh mon Dieu, tu ne veux pas que je voie? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ça, je vais aller me doucher. Ton téléphone sonne. Allô? Je suis occupé, mais je te rappelle après. Ok. Ça doit être Zina, je pense. Je veux dire que tu la manques, bien sûr. Ma princesse, mais je te l'avais dit avant. Il n'y a rien entre moi et Zina. C'est vrai. Nous sommes juste amis. Ça, ton c'est tout. Ton téléphone sonne encore. Tu es parti. C'est moi qui cherche à savoir comment tu vas. Bon, peu importe. Le téléphone de Taïla est éteint. Et j'ai reçu un appel de Basile. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. La nuit dernière, Taïla a laissé Basile en plan à cause de toi et Kenny. Peu importe, je n'ai jamais apprécié Basile. Mais j'ai eu pitié de lui quand il m'a tout expliqué. Taïla doit aller arranger les choses avec lui. Basile est son nom et tout le monde blessé. Et quant à toi, Ikené, je ne vais pas la laisser te ravir de mes mains. Y a-t-il un problème? Ouais, c'était Zina. Elle dit que Basile essaie de te joindre, mais ton téléphone est éteint. Ouais. C'est pourquoi elle m'a appelé pour te le dire. Que penses-tu faire alors? Bon, je n'ai pas envie de la parler. Tu voulais prendre bain, n'est-ce pas? Vas-y. Abuka. Mon roi. Je t'ai appelé afin qu'on puisse convoquer nos proches pour une réunion d'élaboration d'un plan pour l'exécution des droits des anciens pour le festival de Moumiri. C'est pour la finalisation des dernières cérémonies de princesse. Et par là, la dernière date sera choisie. Ça, c'est une très bonne idée, mon roi. Il faudrait alors que je parte pour que je passe l'information aux concernés, voilà donc. C'est bien. Ça, je le ferai, mon roi. Mais où est votre fille? Je veux dire, notre princesse. Est-elle rentrée? Pas encore, mais elle sera bientôt de retour. Je viens d'échanger avec elle. Mon roi, les choses se détériorent. On n'a plus à attendre. Taïla veut attirer la malédiction et la honte sur moi. Mais je sais comment je vais gérer ça. Je vais m'occuper d'elle pour me faire attendre. Mon roi. Oui. Il ne faut pas que ça en arrive là. Je vais parler à Zina pour un coup de main. Et elle va lui apprendre ses devoirs étant princesse de ce royaume.
Ouais, mieux. D'accord, c'est bien. Ou bien, tu veux qu'on discute d'autres sujets? Oh, mon roi, je vais bien. D'accord, à bon, plus. Moi, je m'en vais alors. Ok. Cette fille veut attirer la malédiction et la honte sur moi. Ce vin est bon. Ouais, je vois. C'est un vin étranger. Bien sûr. C'est très bon. Je vois. Donc, c'est ce que tu prends tout le temps. C'est pourquoi tu es si fraîche. Tu peux le dire encore. C'est bien. Ma princesse, es-tu vraiment sûre que tu veux manger dans cet hôtel? Parce que j'ai appris que la nourriture de l'hôtel ne sont pas délicieuses et elles sont toujours chères. Alors pourquoi ne pas sortir pour aller dans un restaurant où tu verras diverses nourritures et tu feras ton choix? Bien. Premièrement, je n'ai pas faim. Deuxièmement, je t'ai emmené ici pour prendre du bon vin et de la bonne nourriture. Comme ça, tu seras fort. C'est tout. Oh, je suis toujours fort. Je suis un homme africain. Les hommes africains sont toujours forts. Je vois. En tout cas, merci beaucoup. Mais pour moi, ça me va. Mais probablement, au retour, j'achèterai quelque chose à manger. Oh. Ma princesse, as-tu su que tu ne veux pas boire? Non, je vais bien. Ah. Tu sais, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu ressens pour moi? Non, écoute, n'aie pas peur à cause de mon rang ou de mon père. Dis-moi. N'aimes-tu pas ce que tu vois? Ne vas-tu pas me parler? Écoute, Kenny. Tu dois être un homme. Est-ce que tu comprends? Tu dois apprendre comment conquérir une femme. Si tu aimes quelqu'un, tu n'as qu'à lui dire... Tu sais, je n'ai jamais senti du bien de cette façon. Merci, Kenny. Merci aussi, ma princesse. Ma princesse. Je pense que nous devons partir maintenant. Tu sais que la distance est longue. Partir? De quoi as-tu peur? S'il te plaît, nous allons encore dormir ici. Nous allons voyager demain. Ma princesse, tu sais que nous avons toujours assez de temps passé ensemble pour nous amuser. Mais s'il te plaît, tes parents et la communauté toute entière t'attendent. S'il te plaît, restons ensemble. On peut partir demain. Pourquoi as-tu peur? T'inquiète, je vais m'en charger. T'inquiète, je t'ai enfermée. Qu'est-ce que je viens de faire? Waouh! Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Ne permets pas que la princesse m'abandonne ou découvre la vérité. Si elle découvre la vérité, je suis dans le pétrin. Je dois la convaincre que je dois être au palais aujourd'hui. Ma princesse. Sa Majesté. Sa Majesté, calme-toi. Je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Assez, madame. Assez. Apporte mes clés. Appelle le chauffeur.
tout de suite, mon roi. Je dois y aller, où qu'elle soit. Je vais aller la chercher moi-même. Oui, Sa Majesté. Va me chercher les clés. Mais tu ne peux pas y aller seul. Ce ne serait pas logique que tu ailles sans garde, s'il te plaît. Écoute, il se fait déjà tard pour le festival de Oumeri. Allons-nous continuer à attendre comme ça? Elle doit rentrer. Ou j'irai la chercher moi-même. Elle prend trop de choses pour acquises. Sa Majesté, avec tes apaisements, viens te mettre. Prends place, s'il te plaît. Je l'appelle tout de suite. Sa Majesté, essaie de te ressaisir. Tu sais qu'ils n'ont jamais voulu que tu deviennes roi. Allez me chercher mes téléphones. Oui, oui, ils vont aller le prendre. Sa Majesté, tu sais qu'ils ne t'ont jamais voulu dans cette position. Ils font tout ceci pour que ça nous affecte. Calme-toi. Oh, ok, je l'appelle. Hé, hey, allez prendre le téléphone. Cours, prends-moi le téléphone, je vais l'appeler. Cours. Je l'appelle. Sa Majesté, ne vous donnez pas d'attention. Quoi? C'est Basile, je ne veux pas le parler. Pourquoi? Parce que je ne veux pas lui parler. Mais Taïla, Basile est ton homme. Basile n'est pas mon homme. Ah, ma princesse, s'il te plaît, écoute. Parce que tu fais, tu mets ma vie en danger. Tu me crées plus de problèmes. Je t'en prie. Es-tu en train de me dire qui m'appelle ou quand je dois répondre à mes appels? Je vais éteindre ce téléphone. Allô, Talia. Je t'en prie, je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. Talia, je sais que tu m'entends. S'il te plaît, nous devons parler. Je te verrai là où tu choisiras qu'on soit, ok? Allô? Taïla, pour l'amour du ciel, Basile est ton homme. Tu lui dois des explications sur peu importe ce que tu fais avec Ekene. Sommes-nous chamaillés? Non, j'aimerais comprendre, y a-t-il un problème? Alors, pourquoi est-ce que tu dis ça? Viens m'efforcer à répondre, non? Ma princesse, ce que tu es en train de faire serait en train de blesser Basile maintenant. Écoute, sais-tu ce que ça veut dire être rejeté? As-tu jamais été abandonné dans ta vie? S'il te plaît, essaie de comprendre ce que je dis. Le motivateur. Vas-y, continue. Ha! Continue, non? Chacun nos verres avant de boire. Jean. Au moins pour une fois, nous sommes assis ensemble comme ça. Plus d'appels téléphoniques. Oh, tu connais la signification de ça? Plein. Cela veut dire c'est assez, c'est beaucoup. Oh, oui. Ça dit beaucoup de choses. Mais Talia, tu as l'air vraiment heureuse aujourd'hui. Tu veux dire quoi? Je suis toujours heureuse. Bien. Peut-être que je suis heureuse aujourd'hui à cause de Kenny. Tu sais quoi, papa? Ce garçon est très bon. Il sait comment prendre soin d'une femme. Il sait comment faire ressentir une femme comme une reine. Il sait comment faire ressentir une femme comme un top modèle. En tout cas, je vous jure, je l'apprécie beaucoup. Ta soeur va bien? Talia, est-ce que ça va? Je vais bien, ok? Es-tu sûre? Papa, je vais bien. Tu as probablement pris trop de sang. Papa, elle va bien, elle n'est pas saoule. Papa, je veux bien, s'il te plaît. Ça va. Vraiment? Peut-être que je dois vérifier le pourcentage d'alcool que cela contient. Papa, ne t'en fais pas pour ça. Elle a probablement une forte fièvre ou quelque chose du genre. Papa, je vais bien. C'est bon. Où est Kenny? Papa, je parlais d'autre chose. Papa, s'il te plaît, j'aimerais te demander une faveur. Laquelle? Papa, j'aimerais que tu mettes Ekene comme mon chauffeur personnel. Papa, parce qu'il sait bien prendre soin de quelqu'un, il est compréhensif.
Et aussi ici comment me mettre de bonne humeur. Tu vois? Donc ici comment me mettre à l'aise à tout moment avec ces causeries et tout. Papa, j'aime bien me sentir. Ça va, je vais t'accorder ta demande, mais premièrement, il y a beaucoup de choses qu'on doit discuter. Oui. Une chose en particulier, je ne sais pas, l'as-tu informé à propos du festival, le festival de Moumiri? L'as-tu parlé de ses responsabilités et le rôle qu'elle doit jouer en tant que princesse? Non, papa. Ah, ok. Alors, parle à ta sœur, donne-lui les détails et reviens me voir. D'accord? D'accord, papa. Je reviendrai sous peu. Parle-lui rapidement. Il parle de quel festival? Talia. Tu sais, en tant que la première ainsi que l'unique fille du roi du royaume d'Omuzieno, il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si tu te souviens une fois où nous étions rentrés pour un festival, le festival de Moumiri. Je ne me rappelle plus, mais apparemment je l'avais entendu de toi. Tu l'as déjà mentionné. Je veux que tu saches que ce festival n'aura pas lieu sans la princesse du royaume d'Omuzien. Donc tu dois participer à ça. C'est intéressant. Alors dis-moi, quel rôle je vais jouer? Qu'est-ce que je veux faire? Ah, tu dois juste être là. Et aussi essayer de faire de ton mieux pour que cela soit un succès. C'est tout? Et c'est tout. Ah non, je sais que tu blagues. Écoute-moi, je suis prête à tout faire pour que ce festival réussisse et que papa m'accorde ma demande. Alors si c'est juste que ma présence soit seulement là, alors j'essaierai. Ok, d'accord, porte-toi un toast. D'accord. Bien, à part ça, oui, mettons ça de côté. Je voulais savoir si tu pouvais me parler un peu plus de ton gala. Excuse-moi, parle-moi un peu de ta chérie, s'il te plaît. Hé, viens ici. Oui? Va m'appeler Kenny. Ok, monsieur. Ouais, boss. Et donc, tu es tombé amoureux? Hein? Quel est ton travail? Est de protéger cette fille. Tu ne dois que la protéger et non être amoureux d'elle? Hein? Kenne, qu'est-ce qui ne va pas? Tu la suis juste par-ci, par-là, partout où elle part, mangeant et buvant du vin. Est-ce que c'est ce qui est censé être ton travail, Kenne? Écoute, tu dois faire très attention. Je ne te comprends pas, Kenny. Boss, je n'ai pas compris ce que vous dites. Oh, tu ne comprends pas? Ne t'en fais pas. Tu vois, quand tu auras des sérieux ennuis, tu comprendras rapidement. Idiot. Quitte-la. Quitte-la! Salut Zina. Salut. Tu es trop froide depuis le matin. Dis-moi, y a un problème? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Taïla, je t'ai demandé à plusieurs reprises de rester loin de Kenny, mais tu refuses d'écouter. Pourquoi dois-je rester loin de lui? D'après tout, je lui avais demandé. Il m'avait dit que vous n'avez rien ensemble. Alors pourquoi je devais te dire? Cela n'a rien à voir avec moi. Je m'inquiète pour toi. Je veux dire, tes sentiments envers lui.
De quoi parles-tu? Tu me mets en confusion. Peux-tu aller droit au but? Taïla, je suis très surprise de voir comment tu t'es rabaissée jusqu'au point de coucher avec un homme que tu connais à peine. Je veux dire, Taïla, c'est... De quoi est-ce que tu parles? Où est donc ton problème? Laisse-moi être claire avec toi. Sois claire, parle-moi, comme ça je vais te comprendre, vas-y. Parce que tu me rends confuse ici. Et Kenny n'est pas du tout celui que tu crois. Alors qui est-il? Et Kenny est l'un des gardes du palais. Excuse-moi. Oui. Non, tu es en train de blaguer. Non, je ne blague pas. Ton père l'avait envoyé pour qu'il puisse avoir un œil sur toi. Oui, nous l'avons planifié pour te protéger. Mais je ne sais pas. Je ne savais pas que ça allait prendre cette tournure. Il prend de l'avantage sur toi et cela ne fait pas partie de ton travail. Alors tu devais en être informé. Ça suffit, Zina. Ça suffit. Arrête-moi ça. Es-tu en train de me dire que vous avez joué avec mes émotions? Non, dis-moi que tu es en train de blaguer. Je ne plaisante pas, Taïla. Ouvre tes yeux. Ouvre grandement tes yeux et tu le verras. Peu importe. Je sais que ton père ne sera pas d'accord du fait que j'ai dévoilé ses secrets. Je crois que je dois quitter ces lieux. Non, toi, tu ne peux pas quitter ici. Je crois que c'est Kenny qui doit partir. Kenny! 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 Ouais, ouais, ma princesse. Viens ici, toi, imbécile. Ma princesse. Comment as-tu osé? Comment as-tu osé blaguer avec mes émotions? Ma princesse. Dis-moi, t'as perdu ta tête ou quoi? Ma princesse, tu m'as giflé. Je vais encore le refaire si tu ne fermes pas ta bouche. La ferme! Donc, mon père t'avait envoyé pour jouer ses rôles, c'est ça? C'est-tu ce que tu vas faire maintenant? Je veux que tu entres là-bas et que tu emballes tes affaires et que tu dégages maintenant. Dégage! Ma princesse, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Je cherchais un moment approprié pour te dire ceci. Tout ce que nous avions partagé, tout ce qui s'était passé entre nous, c'est parce que je t'aime. Es-tu malade? Tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire maintenant? Non, 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 tu n'as pas compris. Tu es vraiment malade. Ouais, assez fou. Je dis ceci de toi. Va à l'intérieur, emballe tes affaires, dégage de chez moi, comme ça mon père saura que j'ai découvert qui tu étais. Sinon, je vais m'en prendre à toi. Dégage d'ici. Ma princesse. Taïla. C'était supposé être une mission spéciale. Je ne t'ai pas permis de te le dire. Mais ce diable a vendu la mèche. Elle s'est ouverte à toi. Parce qu'elle était rejetée par moi. Elle se jetait elle-même sur moi. Elle me cherchait, elle me harcelait. Mais je l'ai rejetée. Et c'est pourquoi elle t'a vendu la mèche. C'est pourquoi elle t'a tout dit. Je ne t'aime pas, ma princesse. C'est toi que j'aime. Que tu le crois ou non. Tu comptes tellement pour moi. Toi? Mais qu'est-ce que j'apprends là? Zina? Mais où est-il passé? Dis-moi, où es-tu? Sors ici! Viens ici, je veux te voir! Viens ici! Ekene? Zina,
Zina, qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Je pensais que nous étions censés être amis. Non. Dis-le-moi. Que gagnerais-tu? Quel profit en tirerais-tu si finalement je perdais mon travail? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Ekene? Ekene, coucher avec Taïla fait partie de ton travail? Réponds-moi. Tu couches avec ma soeur et tu voulais que je garde cela? Bien sûr que je dois protéger ma soeur en lui disant la vérité. Coucher avec elle ne fait pas partie de ton travail. Ok. Où est-elle maintenant? S'est-elle calmée? Tu vois de quoi je parle? Est-ce que tu t'es au moins écouté? Ekene, tu n'as rien appris de tout ce qui vient de se passer. Rien du tout. Regarde-toi, tu continues à demander d'après Taïla. Combien de fois as-tu déjà demandé de Zina comment tu vas? Comment tu te sens? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Parce qu'elle est ma responsabilité. Il est de ma responsabilité de la protéger. C'est pourquoi je demande. La protéger? Ouais. Ça veut dire coucher avec elle? Est-ce que ça fait partie du boulot? Excuse-moi. S'il te plaît, on peut partir maintenant. Ah oui, on peut partir. Ma princesse, s'il te plaît, ma princesse. Permets-moi de vous déposer. S'il te plaît, je t'en prie. Allons-y, s'il te plaît. Ma princesse, laisse-moi emmener la voiture. Je vais vous déposer. Allons-y, ne les suis pas. Officier, ouais, le long de la route à Douawa. Je les vois devant moi, ouais, ça se passe maintenant même. Ok. Ebuka, je lève la voix parce que ton frère, le roi, peut ne pas connaître le problème grave que sa négligence est sur le point de causer à ce royaume. Ebuka, Onike est ton frère. Va essayer de lui faire voir la raison. Après tout, tu as précipité la procédure de faire de lui le roi du royaume d'Imwezelo. Mes mains sont pures. Ok, moi. Un enfant macrocéphale est bloqué entre les jambes de sa mère. Elle refuse de sortir. Moi-même, je suis confus. J'en ai parlé à plusieurs reprises à mon frère, mais je ne sais pas pourquoi il ne prend pas ça au sérieux. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire, Ebuka? Arrête de lui parler. Va le prévenir. Ok, moi. Par où je vais commencer? Dis-moi, par où vais-je commencer? Mon frère n'est pas un problème, mais c'est sa fille, notre princesse. Je ne sais pas pourquoi les enfants de nos jours ne pensent plus aux choses qui sont prépondérantes. Écoute, je pense que j'irai parler à la princesse moi-même. C'est mieux. Oui. Je dois partir, hein? Je te verrai dans la soirée pour connaître les résultats. Si seulement je savais que Talia allait se comporter de la sorte, je n'aurais pas poussé mon frère à devenir roi. Par où vais-je commencer? Qu'est-ce que tu veux? Ekene, qu'est-ce que je veux? Nous sommes des amis. Ou soit, nous ne le sommes plus. Ma fille, qui es-tu? Maman, je suis Zina, l'amie d'Ekene. Je suis venue le voir. Ekene, je peux te parler? Dis ce que tu as à dire. Tu n'es pas content de me voir? Mes enfants,
Qu'est-ce qui se passe? Kenny? C'est quoi le problème? S'il te plaît, ne me cache rien. Qu'est-ce que tu penses de moi? Tu me connais bien. Je ne te connais pas, Ikené. Vous avez des différends avec Taïla la fois passée. Elle est longue de ses jours, elle était kidnappée. C'est juste comme tu étais amoureux de moi hier. Et le lendemain, tu t'es tourné vers Taïla. Donc, à quoi veux-tu que je pense? Tu sais que tu as causé ça, n'est-ce pas? Tu as commencé tout ceci. Tu as vu les ennuis que tu m'as causés? Regarde les messages que je reçois à cause de ce que tu as commencé. Maintenant, quitte ma maison. En tout cas, désolé si je t'ai blessé. Tu sais, j'ai toujours voulu être avec un vrai homme. Maintenant, je dois partir avant que les gens se disent que je vais planifier cela avec toi. Tu sais, tous les ensemble, on allait former un très beau couple. Mais tes yeux étaient rivés vers Taïla, tout en sachant qu'elle ne sera jamais tienne. Regarde maintenant, tu vois dans quoi tu t'es fourré. Le pire arrivera bientôt. Je dois partir. Mon fils, mets-toi, s'il te plaît. Ne te fais pas de soucis. Moi, je te crois. Je crois en toi. Je crois à tout ce que tu m'as dit. Ne te laisse pas troubler par ces paroles. Non. Maman, je ne suis même pas gênée par les conneries qu'elle vomit. Mais je suis inquiet de la princesse. Seul Dieu connaît la condition où elle se trouve maintenant. Maman, dans 3 semaines se tiendra notre festival. Et elle a beaucoup de rôles à jouer dans le festival. Si la princesse n'effectue pas le sacrifice, seul Dieu connaît la calamité qui tombera sur cette communauté. Mon fils, les dieux de Oumoué Zulu et le festival de Oumoumoulou ne dorment pas. Tu dois aller maintenant chez le roi. Présente-toi devant le roi et montre-lui tout le message que tu reçois. Il laisse tout le reste entre les mains de Dieu. Vas-y, mon fils. Que se passe-t-il? As-tu eu des nouvelles d'eux? Ouais, votre majesté. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'ont appelé. Ils ont dit qu'ils rappelleraient pour me dire où apporter l'argent. Mais... je ne suis toujours pas convaincu que tu ne connais rien à propos de l'enlèvement de Taïla. Tu ne t'en sortiras pas. Je te rassure. Donne-moi ton téléphone. Donne-lui ton téléphone. Donne-le-moi. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Mon téléphone. Wow! Nous nous sommes encore rencontrés. Je vois que tu es tellement surpris de me voir, n'est-ce pas? Tu es incapable de faire un simple job. Tu as des explications à donner. Je suis content que vous soyez là. En fait, on a réussi
à entrer en contact avec les kidnappeurs. Ok. Il demande une importante somme d'argent comme rançon. Mm-hmm. Ok. C'est là que nous allons commencer. Ok. Laisse-moi aller voir le roi. Au fait, nous devons patrouiller la ville et tout cet environnement. S'il vous plaît, on n'a plus de temps à perdre. Est-ce que nous pouvons voir le roi? Derrière toi. Yves. Pouvez-vous imaginer cette stupidité? Pouvez-vous imaginer que ces ravisseurs ont refusé de toucher mon argent? Attendez, pouvez-vous le croire? Rejeter l'argent? Votre Majesté, je ne suis pas surprise. Ça ne me paraît pas étrange. Apparemment, on a comme l'impression que l'auteur est bien connu. Ah. Vraiment. Ça devient de plus en plus clair. Pour moi. Votre Majesté, s'il vous plaît, je veux que vous réfléchissiez encore un peu plus loin. Est-ce que vous suspectez une personne? Une personne avec qui vous avez un quelconque désaccord? Écoutez, jeune dame, tout homme qui a mon titre et qui occupe ma position aura certainement beaucoup d'ennemis. Tout le monde est suspect ici, y compris vous. En tout cas, tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est que vous retrouviez ma fille. Retrouvez ma fille. Retrouvez la princesse du royaume du Mouizoulo. Parce qu'elle a un rôle important à jouer en tant que princesse lors du festival de Moumeri. J'ai besoin qu'elle revienne. Je suis prêt à payer n'importe quel montant pour sa rançon. Mais la chose la plus stupide est que ces ravisseurs ne veulent même pas toucher l'argent. Alors je me demande, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Définitivement. Alors, jeune dame, vous avez entendu ça. Au travail. Allez chercher ma fille pour moi. Tout de suite. D'accord, votre majesté. Je suis très confus. Ça importe pas pour l'instant. La seule chose qui nous préoccupe maintenant est l'état dans lequel la princesse se trouve. Es-tu malade, espèce de fou? Laissez-moi. Les gars, arrêtez-moi. Arrêtez les gars. Mais qu'est-ce qui te prend? Excuse-moi, j'ai dit. Laisse-moi passer. J'ai dit arrêtez. Excuse-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est ma femme? Hein? Où est ma femme? Où est Talia? Après que je t'ai prévenu de rester loin d'elle, tu n'as pas voulu écouter. Tu es même allé jusqu'à coucher avec elle. Et comme si ça ne te suffisait pas, tu l'as kidnappée juste pour extorquer de l'argent au roi. N'est-ce pas vrai ça? N'est-ce pas? Je ne sais pas ce que tu racontes. Maintenant, écoute-moi. Je ne sais pas pourquoi tu mécomprends et interprètes mal ma relation avec la princesse. Je n'ai aucune affaire avec la princesse. Que ça entre dans ta tête. D'ailleurs... Comment est-ce que tu as appris que la princesse a été kidnappée? Tu es vraiment stupide. Tu es un pur suspect. Tu es vraiment stupide pour m'avoir dit ça d'une telle manière. Tu es vraiment stupide. Maintenant écoute-moi et écoute-moi très très bien. Tu as 24 heures pour la ramener ici rapidement. Sinon, l'autre partie de moi est un feu que tu ne peux éteindre facilement. Fais très attention, arrête, malade. Du calme. Mais Kenny, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne t'ai jamais connu comme un semeur de troubles. Hein, Kenny? Kenny, est-ce que tu peux te mettre, s'il te plaît? Ok, bien. Kenny vient de nous l'exposer. As-tu couché avec Talia? Que
Que veux-tu entendre? Que je ne t'ai pas dit? Que veux-tu que je dise de plus? La vérité. Kenny, rien que la vérité. En fait, sois ouvert et dis-moi si tu as couché avec Talia. C'est tout ce que je veux savoir. Il t'est arrivé de lui manifester une certaine affection? L'as-tu fait? Tu es un détective. Et tu es supposé connaître mieux. Comment protégerais-je une femme si têtue sans tout d'abord établir la confiance, sans se soucier d'elle, sans établir une relation autour d'elle? Non, dis-moi, ai-je commis un crime en lui montrant peu d'amour afin qu'elle me croie, afin qu'elle me fasse confiance? Qu'ai-je fait de mal? Rien. Tu n'as rien fait de mal. Alors, dis-moi, qu'en est-il des kidnappeurs? Qu'est-ce que t'en sais? Je suis tellement déçu. Es-tu en train de me soupçonner d'avoir kidnappé la princesse? Kenny, sincèrement, je tiens beaucoup à toi. Je tiens à toi. Non, c'est pas vrai. Oui, mais tu dois me dire la vérité. C'est le seul moyen pour moi de démontrer l'attention que j'ai pour toi. Oui, tu dois me dire la vérité. C'est juste comme les clients avec son avocat. Ouvre-toi à moi et dis-moi la vérité. Et quelle vérité ne te dis-je pas? Je t'ai dit tout ce dont tu as besoin d'entendre. Ok, bien. Ah, je t'ai même allé loin jusqu'à te parler de ma vie privée. Qu'est-ce que je ne t'ai pas dit? Bien, je te crois. Non, c'est pas vrai. Bien sûr. Tu sais quoi? Allons trouver quelque chose à mettre sur la dent parce que j'ai tellement faim. Je n'ai pas faim. Oh, Kenny, c'est la faim qui te fait agir ainsi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Essaye de te maîtriser. Jeez. Tu sais quoi, Kenny? Mets ton passé derrière toi. Je te promets que tu ne vas pas en regretter. Tu ne vas pas regretter. Ok? Écoute-moi. La vie de la princesse est importante d'abord. Kenny, ça veut dire quoi tout ceci? Faites ton mieux pour sauver sa vie et on parlera du reste. Vous avez un appel. Viens, prends place. Voilà comment analyser ces éléments. Es-tu venu me dire que mon Kenny est en prison? Et Kenny? Comment ça? Où est parti mon fils? Maman, c'est pour ça que je suis là. Ça fait jours que je n'ai pas reçu ces nouvelles. Hein? N'as-tu pas honte de toi-même? Hein? Dis-moi. Maintenant, ce sont les femmes qui poussent les hommes à les épouser des forces. Comment tu peux être aussi désespéré? Les enfants de nos jours, rentre chez toi. Mon Kenny ne t'épousera jamais. Regarde pas. Regarde la troubadour. Va-t'en, j'ai dit. Mais maman, je n'apprécie pas la façon dont tu parles. Je suis juste venue voir comment il va. Hein? Tu es juste venue le chercher? Allez, reprends ton chemin. Rentre. Pars de chez moi. Comme tu peux voir, je suis une femme. Je ne peux pas t'épouser. Oh. Et c'est Kenny qui est un homme. Et le seul choix à faire. Va-t'en de chez moi. Désespérée. Malheureuse. Regarde-la. N'importe quoi, zinzin. Alors, peux-tu répéter ce que tu viens de dire? En parcourant et vérifiant le téléphone d'Italia, nous avons découvert que Kenny essayait de la joindre depuis. Pourtant, il avait nié avant et c'était le matin du même jour où elle était enlevée. Ah. Et elle n'avait pas répondu à tous ses appels.
Et nous avons aussi noté qu'elle avait parlé avec un certain Basile avant cet incident. Toujours en parcourant les téléphones, nous avons vu un numéro masqué qui l'appelait à tout moment. Elle avait aussi reçu un message d'un numéro qui n'est pas enregistré dans son téléphone. Oh, oh. Dans le message, il était question de faire comprendre à Taïla comment est-ce qu'un homme est en train de l'aimer. Apparemment, l'auteur du message était une femme. Oh. Bon, toutefois, le numéro appartient à M. Derrick. Et on a trouvé que c'est l'ami de M. Basile. Zina et le roi avaient aussi appelé Taïla après cet acte. Ah, oui, bien sûr, je l'ai appelé. Bien, d'après votre rapport, c'est évident que tout tourne autour du père de Basile, Segar et le partenaire de Basile. Mais c'est plutôt surprenant. Parce que le père de Basile a contribué à ce que je devienne le gouverneur de l'État. Et pas seulement ça. Il a tracé la voie pour que je devienne sénateur de la République fédérale du Nigeria avant maintenant. Donc, je me demande pourquoi ça peut être comme ça. À part mon frère, Ebuka, et mes proches, le père de Basile est le seul de l'extérieur qui m'a soutenu du début jusqu'à la fin. Donc, je me demande juste pourquoi cela devrait être centré sur eux. Je ne pense pas qu'ils seront en mesure de faire quelque chose comme ça. Sérieux. Kenny? Ouais. Tu avais quelque chose à dire? Ouais. Ok, vas-y avec ça, vas-y. Ouais, il avait cette dame Mimi. Ouais, qui était avec la princesse toute la nuit, durant toute la surprise partie. Je pense qu'elle l'aurait appelé pour parler avec Basile. Et puis, quant à ce qui concerne le nom d'Eric, il y a deux jours, deux jeunes hommes étaient venus dans la maison. Et celui qui a parlé avec moi s'était présenté comme Derrick. Derrick, ouais. C'est Derrick. Et il a dit qu'il travaille avec le père de Basile. Il avait dit beaucoup de choses. Il s'est présenté en disant à quel point il aimait la princesse. Ouais, il essaie même de me demander de convaincre la princesse pour lui. Disant qu'il voulait me payer. Et j'ai dit non, je ne ferai pas ça. Très bien. Qu'est-ce que tu avais fait à propos? Je les ai renvoyés. Je leur ai interdit de revenir. Je leur ai fait comprendre que si un homme aime une femme, il va directement chez les parents de la fille pour se présenter. Très bien. Oh. Oh. Très bien. Bien, Votre Majesté, comme nous avons les empreintes, nous nous mettons en action immédiatement. Ça va, okay. S'il vous plaît, passez à l'action. S'il vous plaît. Allez-y. Ils disent qu'ils ne veulent pas de l'argent. Alors pourquoi est-ce qu'ils la gardent? J'ai l'intention de penser de cette façon aussi. Une chose est sûre. Celui qui fait ça veut mon argent. Ils veulent ma chute. Ils veulent que je sois déposé. Pas, cela n'arrivera jamais. Aussi longtemps que je demeure prince du royaume de Moisil, tu resteras le roi et après ton règne, je serai là pour m'asseoir sur ton trône. J'aime ton courage, Charles. C'est pourquoi j'ai dit qu'un lion ne peut que donner naissance à un lion. Par ailleurs, où est ta mère? Maman doit sûrement être dans sa chambre. C'est bon. Je vais aller la voir moi-même. Très bien, père.
C'est bon comme ça. Tu dois être forte pour toi-même, pour moi, pour notre fille et pour notre famille. On trouvera une solution à ça. En fait, une alternative. Je n'ai jamais su qui avait ce genre de défi à faire passer dans Corée. Les gens qui s'y sont réjouis avec nous se tournent contre nous maintenant, Sa Majesté. Ce qui m'importe maintenant est de retrouver notre fille en vie et en bon état. Je ne me soucie même pas du festival de Montméry. Et je ne me soucie pas non plus de savoir qui est contre nous ou pas. Je vais retrouver ma fille en vie. Sa Majesté, ça devient fort. Ces sentiments de savoir que nous vivons ensemble avec nos ennemis. Ils continuent d'appeler. Ils nous envoient des messages par des numéros différents. C'est très bizarre. J'irai voir le chef prêtre moi-même. Non. Non, Sa Majesté. Sa Majesté, n'oublie pas que tout ce qui a trait au festival de Montméry est une affaire de femme. Ok, s'il te plaît. Laisse-moi le gérer. Alors que tu te concentres à trouver notre petite fille. S'il te plaît, Sa Majesté. Une chose est sûre. Elle sera bientôt de retour. Et je t'assure. Tout d'abord, faisons comme tu l'as dit. En état d'arrestation. Sors! Sors de ces véhicules maintenant! Sors de ces véhicules maintenant! Mets tes mains en l'air! Tes mains en l'air! Allez, vas-y, bouge! Entre là! Dans la voiture, vite! Bouge! Avant que je n'explose ta tête! Allez, bouge! Vite! Tu ne veux pas parler. Tu ne veux pas parler, hein? Penses-tu que je suis là pour plaisanter? Oh. Donc, tous les temps que je fais là, tu ne parles pas. Hein? Mon ami, parle! Sinon, j'en finirai avec toi. Parle! Rien. Rien. Il continue à nous raconter comment il aime Tayla, comment il planifiait pour l'épouser. Des choses qui n'ont pas de sens. Comment il a approché Kenne pour lui parler à sa place. Mais Cédric, je crois que tu aimes bien ta femme. Ainsi que ta famille. Je te donne 5 minutes pour te décider de nous dire la vérité ou non. 5 minutes. Officier, je vais te parler en aparté. Ok.
Le roi a appelé, disons, qu'il vient de parler avec Talia. Oh. Il m'a dit qu'il est en train de pleurer, bien qu'on ne l'a pas touché. Dieu merci. Dieu merci, elle est en vie. C'est très évident qu'elle n'est pas retenue pour l'argent. Je vois. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que le roi ne nous dit pas encore. Je le pense aussi. Je pense qu'il languit sous roche. Ouais. Quelqu'un essaie de me piéger. À ce que je comprenne, il essaie de garder la princesse afin que si elle ne retourne pas, le roi me décapite. Mais Dieu merci, leur plan a échoué. Dieu merci, elle est en vie. Pour l'instant, honnêtement, tu dois te calmer. Nous devons aller voir le roi, à l'instant même. Il nous avait dit de retourner vers lui aussitôt que nous finissons avec cette action, ok? Calme-toi. Tu sais ce que tu dois faire. Ramène-le dans la cellule, immédiatement. Yves, on y va. À ton tour. Le roi a dit que tu ne devrais plus aller avec les agents spéciaux pour les investigations. Je crois que tu as entendu ça. À quoi est-ce que tu penses? Écoute-moi bien. N'as-tu pas causé assez de dommages? C'est ta stupidité et ton intérêt égoïste qui me causent ce problème et qui m'ont presque coûté mon travail. Qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu veux? Je peux voir que tu n'as pas toujours changé. Oui. Oh, Ekene, tu continues toujours à penser à Talia. Je vois. Et tout ça, c'est parce qu'ils ne sont pas encore au courant. On verra. L'avenir nous en parlera. Zina, est-ce que c'est à moi et Kenne que tu fais ça? Hein? Je ne t'ai absolument rien fait. Et Kenne, je suis la seule et l'unique femme qui t'aime pour de vrai. Ne le vois-tu donc pas? Peu importe. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas de m'appeler.